Moi, j'adore l'aider. C'est que je veux voir clair, quoi. Désormais, c'est ici que ça se passe. On démystifie les sujets et en rapport à la sexualité. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous sur notre page Facebook, YouTube et Instagram. Alors, la question du jour est de savoir si tu préfères le faire, la lampe allumée ou éteinte. Est-ce que vous préférez le faire, la lampe allumée ou éteinte? La réponse dans quelques instants. Et tu vas me promettre vraiment de répondre avec sincérité. C'est promis? D'accord. C'est promis? D'accord, c'est promis. Ma question, c'est de savoir si tu préfères le faire, la lampe allumée ou la lampe éteinte. Pourquoi la lampe allumée? Je préfère voir en direct le partenaire, quoi. Oh yeah! Bon, c'est un instant de folie. Tout le monde n'est pas le même lorsqu'on le voit à tout moment, mais... bon, quand vous êtes en folie, vous êtes différent de quand vous êtes sérieux. Ouais, je dois avoir le visage de mon chéri quand il est sur moi. Là, on dit... Wow. Alors, si ton chéri décidait que la lampe soit éteinte, qu'est-ce que tu en diras? Je vais lui faire plaisir. C'est le roi de la famille, donc il faut respecter les décisions de son chéri. Peut-être qu'il a une raison pour ça. Il y a certaines filles, il y a certaines femmes qui veulent forcément que la lampe soit éteinte. Toujours la lampe soit éteinte. C'est parce qu'elle n'est pas propre du tout. Elles sont pas propres du tout. En tout cas, moi, je veux bien voir les positions. Mais moi, je n'ai pas honte quand la lampe est allumée. J'aime bien voir dans tout, quoi. Oui. Je veux voir clair dans ce qui se passe. Moi, je préfère la lampe allumée. La lampe éteinte, ça ne m'arrange pas. Donc, tu n'as pas honte, tu n'as pas peur également de regarder, de fixer ton partenaire. Jamais. Vois la taille. Tout. La taille de quoi? La taille de tout, non? Fais quoi? Ah, mais à quoi toi tu penses? Ah, je sais pas. D'accord, réponds à ma question, selon ta compréhension. Allumer, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit tout, non? Mais j'imagine que même la lampe allumée... En fait, même la lampe éteinte, on peut tout voir. Non. Quelle est la différence? C'est... Bon, c'est plus excitant, je crois, selon moi. Dieu, viens me prendre! Je ne sais pas venir. Dieu, viens me prendre! Je ne sais pas venir. Je n'aime pas, la vie n'est pas! Non, je ne sais pas. La vie n'est pas! J'aime voir clair dedans. Donc, je préfère la lampe allumée. La lampe allumée? Ouais. Si il arrivait que... ta partenaire te dise qu'elle préfère la lampe éteinte. Bah on fait avec. Je fais avec. Pourtant c'est pas ce que tu aimes. Ouais mais je suis obligé de faire avec. Si elle refuse, voilà que je suis déjà à thème, je fais avec. Fais quoi d'abord? Bah ce que tu dis, ce que tu penses. Tu penses à quoi? Bah je pense au cesse. Le faire, la lampe allumée ou la lampe éteinte. En fait, quand les... on préférait la lampe éteinte. Mais là maintenant, il faut qu'on voit clair dans les choses quoi. Donc avec la lampe allumée là, ça le fait. Ah bon? Mais apparemment, même si la lampe est éteinte, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, il y a des bons délits, des bonnes surprises qui se passent avec la lampe éteinte aussi. C'est pas mal. Ah ouais. Bon, vous voyez que pour la lampe éteinte là, rien de concret ne se passe pas. Ah bon? Oui. Rien de concret ne se passe pas. Et en position grecque là, on prend pour faire ça proprement. Et ça là, c'est cool même aussi. Position et à Grosana. Bon, je ne voulais pas être construit. C'est pourquoi bon, j'ai catégoriquement refusé que bon, pour ce mois là, bon, je préfère la lampe allumée. Et vous avez fait la lampe allumée? Ah oui.